franchement, hein. Ah, ils ont eu 100 fois raison. C'est bien, c'est grand, c'est vaste, c'est tranquille. Ah, ben ça, pour être tranquille. Ouais. Un grand jardin comme ça, moi, je sais pas, ça me... Enfin, ça me... Pas toi ? Non. Ah, et pourquoi ? Bah, déjà, je trouve ça loin. Loin ? D'où ? Loin du centre. Du centre ? De quoi ? Du centre ! C'est pas grave. Bah, excuse-moi, mais le centre est un concept subjectif, d'un point de vue géométrique. Il n'a de sens que si tu décris un périmètre autour. D'accord. C'est une notion un peu plus relative. Oui. Sois gentil, arrête d'enculer les mouches parce que tu comprends très bien ce que je veux dire. C'est loin de chez nous, ça. Ça te va comme périmètre géométrique? Ouais. En tout cas, moi, ça me plaît. Hein. Et puis, si tu veux un argument objectif, la campagne, c'est quand même mieux quand on a des enfants. L'espace, le grand air. Oui, c'est vrai. Seul petit détail, nous, on n'en a pas des enfants. Ouais. Ton frère et ta belle-sœur, eux non plus, n'ont pas d'enfants. Non plus. Alors ton argument, tu te le gardes. Enfin, où tu veux en venir? T'es de mauvaise foi ce soir. Écoute, je comprends très bien qu'il n'ait pas envie de vivre à la campagne, mais tu peux tout de même pas nier que c'est un bel endroit. Mais si, je le nie, je le nie. Je trouve cet endroit sinistre et pour rien au monde, je voudrais habiter là-dedans. C'est froid, c'est lugubre. Y'a rien, c'est mort. Hein. Fin de l'histoire. Ah. Eh bien. On peut savoir ce qu'il vaut le plaisir de ces jovialités? Rien, vivement qu'on dîne et qu'on rentre se coucher. Ah mais écoute, quand je vois comme ça, j'ai qu'une envie, c'est de le retrouver tout de suite à demain matin. Pour une fois, nous sommes complètement d'accord. Écoute, si t'avais pas envie de venir, fallait me le dire. Je te l'ai dit, je te l'ai dit, je te l'ai redit, tu m'as répondu, on peut pas faire ça à mon frère. Bon, et bien voilà, t'es là, alors mets-y un peu du tien. Je suis au maximum. En plus, il fait froid, c'est impossible à chauffer ces baraques. Bon alors, mais qu'est-ce qu'ils font là? Ils sont en train de passer la tondeuse ou quoi? Il devrait être électrique ce soir. Hein. Il devrait boire cette camionnette. Bonne idée, tiens, voilà. Alors, il vous plaît notre jardin? Ah, magnifique. Et la maison, bien, hein? Ah, oui, bien. Ça donne envie d'y voir à la campagne, ça? Complètement, c'est exactement ce qu'on disait avec Yvon. Nous, ça a été le coup de foudre immédiat. Tu m'étonnes. Quand on l'a vu, on s'est dit... Ah ouais, immédiat le coup de foudre. Mais je voudrais pas avoir l'air de pinailler, Francky, mais... Un coup de foudre, c'est forcément immédiat. Sinon, c'est plus un coup de foudre. Ah mais oui. Mais bien sûr. Un pléonasme. Je dis toujours coup de foudre immédiat, c'est une connerie, hein. Total. Enfin, on n'est pas non plus à l'Académie française, Mathilde. Ah, mais ça, je te le confirme, nous ne sommes pas à l'Académie française. Non, non, mais bon, bah, elle a raison. Souvent, on parle, on se rend pas compte, on fait des fautes de français énormes, et il n'y a personne pour les corriger. À part Mathilde. Comme quoi ça sert une prof de français comme belle-sœur, hein. Ouais. Bon, sinon, au niveau température, ça va bien? Enfin, je veux dire, vous n'avez pas un peu froid? Un peu froid? Oh, mais pas du tout. On gèle. Moi, je m'en rends pas compte. C'est Nicole qui me l'a fait remarquer. Oui, bah, tu sais, c'est une question de métabolisme. Les femmes sont plus frileuses que les hommes. Ah bah, c'est les petits inconvénients de la campagne. Oui. Et des bonnes femmes. Bon, je vais voir si je peux pas monter le chauffage. Puis après, j'irai regarder le canard. Oui. C'est ça, va regarder le canard. Ça te coûterait beaucoup de rester poli. J'ai insulté quelqu'un? Non, mais c'est le ton que tu emploies. Eh ben alors, ne me demande pas de rester poli, demande-moi de changer de ton. Tu voudrais pas changer de ton? Non. Voilà! Tu commences à faire frais, hein, non? Le soir, ça va vite, hein. Ce matin, je me suis même demandé si j'allais pas m'acheter des mitaines pour la maison, hein. Oh, c'est quand même supportable. Et vous nous avez pas dit comment vous trouvez le jardin? Magnifique. Ah oui, hein. Ce vert, tous ces arbres, on a eu le coup de foudre, hein, immédiat. Oui. Ah bah en tout cas, on n'a pas hésité. Enfin, c'est un petit peu quand même, il faut bien l'avouer, parce que bon, c'est loin de Paris quand même. Hein. Mais bon, on s'est dit, oh ouais, et puis c'est peut-être idiot, hein, mais alors ça donne envie de faire des enfants. Mais alors plusieurs, hein, pas vous? Si, si, si. Un, j'ai aucune envie de baiser dans un jardin.
Et deux, en ce qui nous concerne, le problème est réglé. On déteste ça, les gosses. Ça fait du bruit, ça coûte cher, ça pourrit la vie des gens. D'accord. Ah bon, vous devez être affamé, j'imagine, non? Passablement, oui. Bon, le canard est bientôt cuit, hein, mais on attend encore Talia. Talia? Eh oui, je l'ai invitée. Tu as demandé à Talia de venir ici ce soir? Il ne fallait pas. Non, mais c'est quoi? J'ai pas dit ça. Mais c'est qui cette Talia? Tu sais, comme on est plusieurs, je me suis dit qu'on n'était plus à un prêt. Mais enfin, c'est pas la question. Mais qui est Talia, bordel? Pourquoi tu cries? Mais parce que personne ne me répond. Mais Talia est la secrétaire de Francky. Mais pourquoi tu l'as invitée? Comme ça, tu sais, des fois, on fait des choses sans vraiment y penser. Ce matin, il fallait que j'appelle David au bureau. Comme il n'était pas là, je suis tombée sur Talia, forcément. Alors, elle me demandait comment s'était passé le déménagement, l'installation. Et puis, bon, elle me fait peut-être des idées. Hein. Mais alors, elle avait une voix un petit peu tristoune. Donc moi, pour lui remonter le moral, ben, je l'ai invitée à prendre la crémaillère avec nous. Et elle a sauté sur l'occasion, donc je me dis que j'ai bien fait. Ouais, ouais. Et quoi? Non, rien, non, mais... Je trouve l'idée un peu étrange. Mais c'est marrant ça, ton frère m'a dit la même chose, étrange. Tu la connais bien? Bien, oui. Enfin, comme ça, vaguement. Ton frère comme ça, c'est-à-dire? Dis donc, vaguement, oui. Ton frère m'a dit que c'est toi qui lui avais présenté. Tu as présenté cette femme à ton frère? Oui. Alors dis-le. Ah oui, mais je te le dis, oui, voilà, ce qu'il y a, c'est que tu poses des questions, tu me laisses pas répondre. Oui, j'ai présenté Talia à Francky. Il se trouve que je l'ai défendue. Bon, voilà. Tiens, tiens. Tu acceptes ce genre de cas, toi? Bah, habituellement, non, mais son histoire m'a ému. Mais elle t'a choisi, toi? Pour une question de harcèlement, c'est ça? Mais tu sais que c'est pas si simple que ça, Nicole, le harcèlement. T'as vite fait de passer pour une menteuse, hein? C'est marrant, ça. Francky m'avait pas rapporté ça. Oui, enfin, ben, c'est pas non plus un détail capital, hein. Voilà. J'ai défendu Talia, j'ai juste fait mon métier, point à la ligne. Et comment elle est, cette Talia? Normal. Je peux pas dire que je la connaisse bien, hein, mais elle est très jolie. Et alors, surtout, elle est très, très jolie. Très, très jolie. Ah, on pourrait même dire carrément impressionnant. C'est pas ton avis? L'école te demande ton avis. Oui, ben, je lui ai répondu, sceptique, voilà. Mais quand tu dis impressionnante, Nicole, ça veut dire quoi exactement? Elle impressionne qui? Non, mais personne! Elle impressionne absolument personne. Voilà. Non, mais... pas que ça vous mette dans des états pareils, hein. Non, mais ça nous met dans aucun état, Nicole. On était déjà comme ça avant de venir. Où est passé Francky? Il est à la cuisine, parti surveiller le canard. D'accord. Bon, alors, vous savez pas, moi, je vais aller surveiller Francky, et alors vous vous servez, vous faites honneur à tout ça, d'accord? Oui. Ça va? Très bien. Tu as l'air un peu... J'ai l'air quoi? Non, rien. Je n'ai aucun air. Oh, il est super ce jardin, vous avez vu, on ne s'en lasse pas. Ah oui, une splendeur. On a reçu plein d'enfants quand ils viennent partout. Alors une maison aussi belle et à ce prix, ben moi je peux vous dire qu'en tant que spécialiste, il n'y a pas beaucoup sur le marché. Hein. Ils ont bien fait de se dépêcher. Ah oui, c'est grâce à toi ça, Christelle. Oui, grâce à moi, grâce à mon agence. Hein. Alors depuis 6 mois, on s'est concentré sur l'immobilier haut de gamme, je peux vous dire, ça marche du feu de Dieu. On croit qu'ils en ont plus d'argent. Ils en ont de plus en plus. Ce problème ici, c'est le chauffage électrique. Hein. Ou il fait trop froid, ou il fait trop chaud. Et tiens, du coup, moi, je ne suis pas assez couverte. On se les calme, tu veux dire oui? J'ai le bout des seins dur comme de la pierre. J'aurais pas dû mettre mon ensemble Sonia Riquel. Comment tu le trouves, toi? Mon ensemble Sonia... Oui. Oui. Il te grossit peut-être un petit peu. À qui tu veux téléphoner? À Théo, quand tout va bien. Théo, attends, je l'appelle moi. Théo, c'est maman. Oui, 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 mais... Bon, d'accord, mais après tu ranges, hein. Et surtout, surtout, tu te couches ensuite. Ok? Bien, merci, mon chéri. Bisous, bisous. Oh, il n'a pas faim, il préfère faire une partie d'échecs avec l'ordinateur.
Il serait pas plutôt devant Internet sur un site de cul? T'as un petit pratique, ce n'est pas du tout son genre. Bon non, il est un peu jeune quand même. Bah, la masturbation, c'est tout le monde, hein, et ça commencerait tôt. Bon, Mathilde, ça suffit. Je vous ramène des petites choses à grignoter. Bah, alors attention, hein, vous gardez de la place pour le canard. Hein. Bon, dis donc, toi, tu m'avais promis que tu regarderais mes dents. Hein. Nicole, pourquoi tu prends pas rendez-vous? Oh bah merci, deux mois d'attente. Dis donc, j'ai la star à domicile, je veux pas faire la queue comme tout le monde, tu rigoles? Faut rien faire ici. Mais je te demande pas de faire, je te demande de regarder. Tu regardes et tu vois, tu dis ce que tu vois. Bon, assieds-toi et ouvre grand. Allez. Ah. Ah. Du grand. Ah. Ah. Quel bordel! Dirait Bagdad. Mais ça fait combien de temps que tu n'as pas été faire examiner? Bah, pour tout te dire, ma dentiste est partie à la retraite et son remplacement n'inspire pas beaucoup. Il est quelque chose comme malgache, je crois. Mais il est dentiste? Bah oui, il est dentiste, mais il est malgache. Personnellement, j'ignorais qu'il existait en France des dentistes qui se permettaient d'être malgaches. Non mais comprends-moi, Mathilde, c'est pas souvent. C'est comme si t'allais dans un restaurant chinois et le patron il est auvergnat. C'est bizarre. Donc un dentiste ne peut être que français. Enfin, Mathilde, c'est intime les dents, ça la regarde. Intime, tu m'as l'air intime, toi. Bon, écoute. Là, au bas mot, tu as trois caries. Donc, il se chausse. Et ton bridge qui est en train de se barrer. Il y en a pour deux mois de travaux. Attends, ça? Non, parce que moi, si je mange de l'autre côté, j'ai pas mal, hein. Évidemment, si tu manges de l'autre côté, là, tu as tout résolu. Mais moi, je te dis que tu peux pas rester comme ça. Tu vas tout droit vers de gros emmerdements. Bon, je comprends bien, faut que je prenne rendez-vous avec ta secrétaire. Oui, moi, ça avec elle, parce que c'est pareil qu'il faut. Non, mais Nicole, je t'arrête tout de suite, hein. David est surbooké, il pourra pas bien s'occuper de toi. Mais je fais comment, moi, alors? Écoute, tu veux pas aller voir ton malgache? Il y a des tas d'autres bons dentistes, hein. Tu vas sur pagejaune.fr, tu tapes dentiste, puis tu choisis. Tiens, va chez le mien. Bon, il est pas très compétent, mais il est breton. C'est ça, moquez-vous de moi aussi. J'aurais pu l'apprendre. Non, mais je ne trouve pas très sain de soigner les gens de sa famille. Ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et puis, tu es très cher. Tu voulais quand même pas la faire payer. Bien sûr que non. Eh bien, alors, ce n'est pas qu'à gagner. Allez, quand est-ce qu'on passe à table? Oui, c'est vrai, moi, je dors de faim. Ça traîne. Il paraît que nous ne sommes pas au complet. Ah bon? Qui est-ce qui manque? Il manque Talia. Talia? Attends, Talia est invitée, mais comment ça se fait? Ça, ce sont les brillantes initiatives de Nicole. Mais qui c'est, Tania? Non, Talia, Talia avec un L. Oui, mais avec un L ou autre chose, c'est qui? C'est comment dire, hein? Elle travaille avec Francky. Sa secrétaire, paraît-il. Ah bon, mais moi je la connais pas, j'en ai jamais entendu parler. Moi non plus. Tu la connais bien, toi David? Je la connais bien, on ne connaît jamais totalement les gens, on n'en connaît que les aspects. Ben, en ce qui te concerne, ce sont quels aspects? Quels aspects? Buco. Enfin, dentaire. Buco dentaire, je l'ai soigné. C'est ta patiente. Hein? Non, c'est Francky qui me l'a présenté, je l'ai détartré deux fois. Ben, tu l'as détartré deux fois, donc c'est ta patiente. Si tu veux, oui, c'est ma passion. Non, mais moi, je ne veux rien, je demande. Hein. Il paraît qu'elle est très jolie. Qui? Talia? Nicole a même dit impressionnante. Impressionnante, elle a exagéré. Elle n'est pas impressionnante, elle est... Jeune. Jeune, si tu veux, oui. 32. C'est jeune. Ça dépend. Non, ça ne dépend pas, David. 30, 32, c'est jeune. Ne fâche pas, Christelle, elle est jeune, d'accord, mais qu'est-ce que ça change? Jeune et impressionnante. Non, impressionnante, encore une fois, je ne suis pas d'accord. Je réfute. Comment tu la définirais, toi, Yvon? Comment je la définirais? Oui. Moi? Oui. Pourquoi moi? Parce que tu la connais. Ah. Eh bien,
Mignonne. Voilà, mignonne. Il a très bien résumé. Elle est mignonne. En fait, si je comprends bien, cette fille, vous voulez être refilée entre frères. Hein? Je veux dire quoi, ça, Mathilde? Bah oui, enfin, sois clair, précise un peu, hein. Bah, tu l'as défendue en tant qu'avocat, c'est la secrétaire de Francky, et elle a pris de David pour dentiste. Elle s'est fait le brelan. On va voir ça comme ça? Oui. Alors, vous la connaissez tous les trois? Ah, on la connaît. Non! Celui qui la connaît, c'est Francky. Forcément, il travaille tous les jours avec elle. Alors lui, ok. Mais nous, je ne peux pas dire qu'on ait des relations régulières. Moi, je me suis juste de pencher sur sa dentition. C'est pas connaître, ça. Je vois des centaines de dents par jour et je n'en plains pas. C'est mon métier, mais je ne peux pas dire que je connaisse intimement tous leurs propriétaires. Elle a quand même été assez intime pour avoir été invitée ici ce soir. Mais non. À mon avis, pas assez. C'est un défaut d'appréciation, même une tourne libérante. Personnellement, je désapprouve. C'est une fête privée, presque familiale, et je ne vois vraiment pas ce qu'il y a à foutre ici. C'est n'importe quoi. Ah, ça, c'est Nicole, hein. C'est ce qu'elle veut. Après tout, elle est chez elle. Bon, ben ça, chacun fait comme il veut. Ouais. Passe-moi les cacahuètes. Hein? Les cacahuètes. Voilà. Eh ben oui. J'ai ramené un peu de carburant. Qu'est-ce qui ne va pas? Trop froid, ça va se réchauffer, j'ai remonté le chauffage. Hein. On peut savoir qu'est-ce qui vous a pris d'avoir invité Talia? Je ne l'ai pas invité, moi j'étais pas d'accord. C'est Nicole. Nicole, tu sais comment elle est. Hein. Il y aura un SDF qui sonnera à la porte, elle l'installerait dans la chambre à coucher. Non, en plus, c'est les SDF. Non. C'est une image qui se fait. C'est pas non plus aberrant qu'elle soit invitée, Francky, si tu la vois tous les jours. Bah oui, je la vois tous les jours, mais dans un cadre strictement professionnel. Hein. Elle répond au téléphone, elle sert le café, dit bonjour aux gens. Elle est hôtesse, secrétaire, standardiste. Et accessoirement, bombe sexuelle. Hein? Bah oui, j'imagine qu'il faut avoir un physique agréable pour occuper ce poste. Bah la présentation a son importance, oui. C'est bien ce que je te dis. Tu n'aurais pas pu embaucher une mocheté pour tenir une telle place. Bah entre physique agréable et bombe sexuelle, il y a une nuance. Hein. C'est vrai que c'est un métier de contact. Hein. Quand un client ouvre la porte... Il est mieux disposé s'il voit une jeune femme charmante qui est à l'accueil. Elle est... avenante. Avenante. Tu en es content? Content? Professionnellement, elle veut dire. Mais enfin, Mathilde, sois clair, quoi. On nage en plein flou artistique avec toi. Professionnellement, Francky, elle te satisfait? Ah oui, elle me satisfait complètement, hein. En tant que chef d'entreprise, hein. Ah, sinon, je ne l'aurais pas gardé. Je demande beaucoup à mes employés. Hein. Comme quoi, par exemple D'être à l'heure, de bien bosser, de se défoncer... Voilà, c'est ça, de la ponctualité, de la compétence et de l'implication. Merci pour la traduction, mais j'avais compris. Hein. Oh, pipi, je vois pas pourquoi on en parle autant. Vous la verrez quand elle sera là. Sa présence a l'air de faire tout un pataquès. Tout un congru. Moi, j'ai une secrétaire. Je la vois tous les jours et je ne l'invite jamais à manger à la maison. La tienne, elle est moche. Elle fait peur aux enfants qu'on parle ce qui est comparable. Ça n'a rien à voir. Quel genre d'affaires tu as eu avec elle? Hein? Quel genre d'affaires tu as eu avec cette fille? Je n'ai eu aucune affaire, arrête ta parano. Ma parano, mais quelle parano? C'est toi qui es parano. Quel genre d'affaires en tant qu'avocat? Tu es avocat. Un avocat, ça travaille sur des affaires. Non, mais tu m'as fait peur. Précise, quel genre d'affaires j'ai eu? Et je te l'ai dit, harcèlement. Qui l'a harcelé? Mais un de ses ex. Pourquoi tu t'énerves d'abord? C'est toi qui t'énerves. Je te pose une question. Qui l'a harcelé? Oui, un de ses ex, un mec à moitié taré, là. Il l'appelait tous les jours à 3h du matin, il la menaçait, il voulait lui jeter de l'acide par la figure. Enfin, la vitrioler, quoi. Il voit le genre. Il va bien faire quelque chose. Mais pourquoi il la menaçait? Parce qu'il était taré, je dis, voilà. Sans doute qu'il ne digérait pas de s'être fait larguer. Marc, en même temps, je le comprends. Hein. Parce que déjà, extérieurement, esthétiquement, il ne faisait pas le poids, alors. Et elle. Ah, bon. Tu disais qu'elle était seulement mignonne. Oui, mais enfin, lui, elle avait une gueule de travers aussi, hein. Une situation minable, un loser. Enfin, un mec lamentable, quoi. Hein. Voilà. Alors, allez me voir, consulter. Et tu as gagné. Bah, naturellement, j'ai gagné.
Le type a été condamné. Oui, lourdement. À quoi, combien? La prison avec sursis, dommage et intérêt, mais je ne me souviens pas du chiffre. Et alors? Et alors, c'est tout. Elle t'a pas remercié? Si, elle m'a dit merci. Pourquoi? Il y a d'autres façons de remercier? Quand on est une femme, oui. Ah. Rien d'autre? Ah si, elle m'a payé. Normal. Elle avait de quoi? Enfin, c'est quoi toutes ces questions, Mathilde? Je m'étonne. Ouais, mais je ne vois vraiment pas pourquoi, mais si ça peut te faire plaisir, étonne-toi. Et tu as été assez proche d'elle pour la recommander à ton frère? Proche? Non. Mais elle m'a parlé de sa situation, elle m'a dit qu'elle était au chômage, qu'elle avait été secrétaire dans l'informatique, alors, par association d'idées, vu que Francky travaille dans l'informatique, je lui ai présenté. Hein, Francky? Bah oui. Voilà. Mais toi, David, elle a atterri comment dans ton cabinet? Tu as parlé de moi? Il se trouve que je suis dentiste. Moi, si on me demande si je connais un bon dentiste, hein, je suis peut-être de mauvaise foi, mais je parle de mon frère. Et si on me demande si je connais un bon avocat... Encore ta mauvaise foi, tu parles de ton autre frère. C'est ça, l'esprit de la famille. L'esprit de famille. Tu vas bien? Alors, Nicole, on est où avec ce canard? Il est mort ou il est vivant? Non, mais il est presque présent. Alors, écoutez, je viens d'avoir une idée très intéressante. Plutôt que de s'asseoir à des places bien précises, on va se la jouer plus fille. Qu'est-ce que vous en pensez? On la joue comme Dieu veut, mais on la joue. Parce que maintenant, je suis mort de faim. Et Talia, vous avez changé d'avis? Ah, tout le monde est d'accord pour dire que c'était pas une bonne idée de l'inviter, hein. Ah, mais non, Francky, moi j'ai jamais dit ça, tu déformes. Au contraire, je trouve cette idée très intéressante. Bon, si on mettait un petit peu de musique, histoire d'ambiancer la soirée. Ah, bonne idée. Oui, monsieur. On a un peu besoin. Quand on est au boulot, on parle boulot. Bon, allez. Ouais. Moi, je viens demander. Tu veux demander si elle vient fiancée? Mais pourquoi? Pour savoir si elle venait seule, tiens. C'est pas là, quand tu cuisines pour plusieurs personnes, c'est pas le même canard quand tu cuisines pour 7 personnes ou pour 8 personnes. Il faut savoir le nombre exact. Enfin. Et qu'est-ce qu'elle a répondu? Oui, ça m'intéresse. Bah, qu'elle viendrait seule. Mais j'ai l'impression qu'elle a une vie privée compliquée. Qu'est-ce que tu appelles une vie privée compliquée? Ben, je sais pas, c'est une impression. Bon, mais puisqu'elle s'est décommandée, on va peut-être pouvoir passer aux choses sérieuses, hein. Attends, mais Francky, tu as coupé ta femme. Oh ben non, j'ai rien coupé du tout. Elle allait finir. Bon ben, fini, Nicole. Après, je carrément. Hein. Des fois, on s'appelle comme ça. Et puis, on papote de tout, de n'importe quoi. Et puis, une fois, elle m'a dit... Comment c'était, déjà?
Alors, on peut y avoir une expression rigolote, hein. Ah oui, qu'elle avait une relation amoureuse très libre avec un homme qui l'est moins. Une relation amoureuse très libre avec un homme qui l'est moins. J'ai rien compris. Ça ne veut rien dire. Ah oui, là, c'est du charabia complet. Hein. Moi, je trouve ça limpide. Ah, et qu'est-ce que tu comprends? Elle couche avec un homme marié. Oh! C'est un peu plus clair, moi je suis tout à fait d'accord. Bah oui, hein, c'est bien ce que j'avais compris moi aussi. Bon, chérie, si t'allais chercher ce canard, parce que lui aussi il commence à se faire désirer. Hein. Ah oui, c'est vrai, ça fait une demi-heure qu'on est là à spéculer sur la vie de cette fille, qui n'a aucun intérêt et qui ne regarde personne. Ça commence à devenir pesant. Hein. Yvan? Oui? Ah, un peu de vin? Merci. Mathilde? Non, merci, ça va. Christelle? Non, non, merci, mon verre est plein. Vous avez moins froid? Moi, c'est parce que j'ai bu. Allez, continuez à boire si c'est le seul moyen. C'est pas fini d'être meublé, là. Ah non, 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 il manque les trois quarts des trucs. Là, je vous dis, quel style? Anglais, c'est plus chaud. Ah ouais. Oui, c'est pas mal, c'est anglais. Il y a un côté... Amicalement vôtre, Brett Sinclair, le genre manoir. Ah, manoir, c'est bien ça. Ça donne du cachet. Hein. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Mathilde? Je m'en fous complètement. Et voilà la bestiole. Vous m'en direz des nouvelles, hein? Ça sent bon, hein? C'est superbe. Ouais. Eh ben, en fait, sinon, toi, Yvan, c'est quoi le genre d'affaire que tu t'occupes en ce moment? Oui, ah, raconte-nous la plus... Ouais, ben, j'en ai plusieurs, mais la plus croustillante actuellement, c'est une histoire de pot de vin avec des députés véreux. Ah, des vrais politicards, hein, mouillés comme c'est pas permis, imbus, arrogants. Tu peux dire qu'ils me donnent le change. Hein. C'est toi qui les défends? Non, non, moi, je les ai en face. Et alors? Mais on s'en fiche, Yvan, c'est pas intéressant, c'est ennuyeux. Vous êtes témoin? J'exerce un métier qui n'intéresse absolument pas ma femme. C'est agréable. Tu as taché ta veste. On ne voit pas le rapport. Il y en a pas. Et toi, David, en ce moment? Oh, bah tu sais, hein. Des journées de dentiste, y a rien d'intéressant, hein. Qu'est-ce que tu veux qu'il te raconte? Oh ben. Des histoires de bridge. Moi, je disais ça pour ça, enfin comme ça, quoi. Hein? Oh. Eh ben moi, je crois que j'ai un secours. Eh oui, j'attendais que Talia soit là, mais bon, puisqu'elle s'est décommandée... Ah ouais, ben vas-y. Tu devines pas, mon amour? Mais qu'est-ce que je pourrais vous annoncer, là, d'important, mais qui réjouisse tout le monde, enfin? Non. Mais tu en es sûr? Ah, je suis certaine, j'ai besoin de téléphoner ce matin pour me le confirmer. Ben, c'est génial. Ben, la maison, et puis maintenant, c'est ça, le doublé, hein? C'est ça, un doublé. T'es content? Ah oui. Je suis content. Quoi, tu commences pas? Ah ben si, j'allais le faire. Eh ben, c'est pas un baiser fougueux, ça, dis donc, hein? Tu veux pas que non plus je te prenne sur la table? C'est exactement comme avant. Je sens rien. Ton médecin s'est peut-être trompé, hein, ça peut arriver. Mais pourquoi veux-tu, Mathilde? Mais parce que normalement, ce ne sont pas la même. Mais qu'est-ce que t'en sais? T'as jamais été enceinte. À qui la faute? Je te rassure tout de suite, Nicole. Moi aussi. Et le premier mois, ça me fait... je ne sentais rien. Mais alors, c'est à la fin du deuxième mois que j'ai commencé à morfler. Ça n'a rien de le dire. L'enfer, elle vomissait. Oui, mon David, ça suffit. C'est pas honteux. Appelle-toi dans la voiture. C'est bien simple, tu es obligé de la vendre. Bon, écoute, mon Nicole, je te félicite. Moi aussi, viens. Vous aimez ça, le gâteau? Ah ben, alors approchez.
Quoi? Ah, rien. C'est une bêtise de la forcer à venir si elle se sent pas bien, hein. Ben, je l'ai pas forcée, tu m'as bien entendu quand même. Elle s'est ravisée toute seule, hein. Je n'ai quand même pas à lui dire, bah non, vous restez chez vous parce qu'on est bien entre nous. C'est très gentil de sa part, mais extrêmement heureux de sa présence. Je ne voudrais pas qu'elle tarde parce que je voudrais pas que je prenne tard. Ah non, c'est pareil. Demain matin, j'ai une consignation à 8h30. Je crois que ça traîne. Mais on dirait qu'elle vous fait peur. Peur? Nous? Peur de moi? C'est absurde, elle n'a aucune raison d'avoir peur. Je sais pas, on dirait que cette fille vous terrorise. Absolument pas. On a tous des emplois du temps demain matin. On est des gens qui travaillent. Bah, enfin, je voudrais pas dire, mais on pouvait quand même veiller un petit peu à une soirée comme ça. Je voudrais pas avoir l'air de tout ramener à moi, mais il me semble quand même qu'on a de bonnes raisons de se réjouir ce soir. Franchement, je ne trouve pas très détendu, moi. Ah, qu'est-ce que tu fais avec ça, toi? Bah, c'est pour couper le canard. T'as une autre façon de tenir ton couteau? Tu nous as fait peur. Donne-moi ça, Christelle. Tu vas tâcher ton ensemble, ça serait dommage au prix qu'il coûte. Hein. Le canard, on va dire que c'est moi. Ça suffit. C'est du lourd, hein, Mathilde? Je reconnais ton... Bon, si on passe à la suite, Nicole a fait une super tarte aux pommes. Ah oui. Pommes banane, et vous m'en direz des nouvelles, hein. Oh, c'est Taya, un petit peu pour le dessert. Les femmes, non, aucune. Qu'est-ce qu'il fait,
Oui, parce qu'au niveau du chauffage, on tâtonne encore un peu. Hein. Pour l'instant, ça va, on verra bien. Il fait meilleur dedans que dehors, non? Bonsoir, Yvan. Bonsoir, Talia. Talia, mon épouse. Ah, mais oui, Mathilde, c'est ça? C'est ça. Bonsoir, Mathilde. J'ai beaucoup entendu parler de vous. Ah bon, en bien, j'espère. Oui, en très bien, Mathilde. J'espère que je ne vous décevrai pas. Bonsoir, David. Il est grand, il est comme ça. Ah bon? Je prends la pression d'avoir fait un effort merci. Particulier. Merci. Mais enfin, ça veut dire quoi ça? On ne s'embrasse plus maintenant? Non. On s'embrasse, pardon. Présente-toi ta femme. Talia. Christelle. Bonsoir Christelle. Bonsoir. Je pense que vous avez aussi entendu parler de moi. Ah oui, non, vous beaucoup moins. Enfin, je savais que vous existiez. Hein. Et sinon en forme? Oui, pourquoi cette question? J'en ai pas l'air. Ah si. Ah non, 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 enfin je veux dire tout à l'heure au téléphone avec Nicole. Ah non, mais ça c'était tout à l'heure. Non, mais là tout s'est arrangé. Et puis quand j'ai su que vous étiez tout ça, je me suis dit que je pouvais pas louper ça. Je réalise que c'est la première fois que je vous vois tous les trois ensemble. C'est aussi la première fois que je vous vois en couple. Mettez-vous à l'aise, asseyez-vous. Hein. Arrêtez chez vous. Excusez-moi, mais il faut d'abord que j'aille au... Ah, pour le midi, les mamans sont au premier étage. Francky, tu lui montres, s'il te plaît. Ne dérange pas, Francky. Je suis sûre que je peux trouver toute seule. À toutes. J'ai peut-être mal entendu. Arrête-moi si je me trompe, Francky. Elle te tutoie. Bah oui, elle me tutoie. Pourquoi? Pour rien. C'est bizarre. Bah tu sais, chez moi, enfin dans mes bureaux, il y a effectivement un patron et des employés, mais la hiérarchie, ça passe pas forcément par le vouvoiement. C'est pas banal quand même, une secrétaire qui tutoie son patron. Moi je peux vous dire qu'avec moi, à l'agence, personne n'oserait s'aventurer sur ce terrain-là. Hein. Oui, mais Talia, elle est comme ça. Elle est nature, elle tutoie tout le monde. Tiens, elle tutoie Yvan. Ah oui, moi aussi. Comme ça, mais bon, il n'y a rien non plus de... Voilà, je l'ai eu comme cliente, on a gagné. Donc, elle te tutoie. Voilà. Mais quand même, toi, David. Bon. Première nouvelle, tu dis que tu as tes patientes maintenant? Bah, ça dépend. Il y a certains tutoiements qui s'imposent comme ça, sans que ça soit. Bah, attends, regarde les Anglais. Ils disent you à tout bout de champ. Hein? You are my friend, you want some bread? You, quelle que soit la personne qu'ils ont en face. Pourtant, on ne peut pas dire que ce ne soient pas des gens polis, les Anglais. Hein. Et elle est anglaise? Bah non, mais... Étrange comme fille, hein, quand même. Ouais, puis alors, niveau vestimentaire, elle n'a pas peur. Hein. Ah, alors attention, le soir, elle se lâche. Mais dans la journée, je te rassure, elle ne s'habille pas du tout. Pas du tout comme ça. Je peux pas te dire. Et au bureau, elle passe totalement inaperçue. C'est un jeu pour elle, c'est une façon de dire. Du coup, la femme fatale, alors que je sais très bien que je n'en suis pas une de femme fatale. Vous sentez... La nuance est subtile, hein. Ah oui, 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 oui. Il y a beaucoup d'humour, hein, derrière tout ça. Hein. Mais je ris. Je ris beaucoup, Yvan. Bon, ben, moi, je vais aller chercher la tarte. Ah oui, oui, parce que on la mange, hein, et puis Oui, moi aussi, hein, je suis cassé. Eh bien, je suis désolée, mais moi, je suis en pleine forme. Mais dis donc, c'est pas donné, ça. Le secrétaire, ça paye bien chez toi? Non, pourquoi? Non, pas particulièrement, elle roule pas sur l'heure, hein. Peut-être eu des prix, hein. Ou des amis très généreux. Et voilà la merveille. Fais maison, hein, on y convient. Oui, non, te fatigue pas à couper en part égale, hein, Nicole. Tu sais, moi, je n'ai plus faim, c'est vraiment pour faire honneur. Hein. Elle est vachement belle, votre nouvelle maison. Oui, hein, c'est grâce à Christelle, tout ça. Elle a une agence immobilière haut de gamme. Oui, je sais, Christelle, bravo. Ça doit carrément vous changer du boulevard de l'appartement de Grenelle. C'est le jour et la nuit, non? Comment? Je dis, c'est le jour et la nuit par rapport au boulevard.
boulevard de Grenelle. Par rapport au boulevard de Grenelle. Enfin, vous habitiez bien là-bas. Oui, nous sommes pas pour vous dire sûr au boulevard de Grenelle. Si, si, j'y suis allée, si, si. Enfin, ce petit pont. Le boulevard de Grenelle, c'est bien l'appartement au dernier étage, avec le balcon tout autour et les pots de fleurs carrées. Oui, oui, le balcon, les pots de fleurs carrées, oui, c'est ça. J'ai pas pu l'inventer. Si elle le dit, pourquoi l'inventerai-je ? Mais je ne me souviens pas que vous vous invitez là-bas, c'était quand d'abord ? Ah non, alors là, moi, vous savez, franchement, les dates, aucune idée. Francky, tu te souviens, toi ? Hein ? Bonne question, malheureusement... On dirait que Francky aussi a un problème avec les dates. Ça va lui revenir. Attendez, laissez-moi rassembler mes esprits, vous parlez tous en même temps. Ah oui, oui, bon, en fin de compte, elle n'a jamais été invitée, non ? Eh ben voilà, elle n'a jamais été invitée. Elle est passée par la fenêtre. Oh, magnifique. Ah, ça y est, je me souviens. Nicole était partie voir sa mère à Pontecombo. Moi, j'étais au bureau. Ah oui, je devais attraper un avion dans l'après-midi pour un déplacement professionnel à Berlin. Et à 2 heures du départ, je me suis aperçu que j'avais oublié mon passeport. Alors j'ai demandé à Talia de passer au boulevard de Grenelle pour aller le chercher. Je lui ai donné les clés et c'est comme ça qu'elle a vu l'appartement. Voilà, c'est ça. J'y suis allée, mais il n'y avait personne. Mais c'était quand ? Je ne sais plus, moi. Quand est-ce que ta mère a eu sa maladie de cœur, là, qui a nécessité je ne sais pas combien d'opérations, là ? Il y a toutes les pointures de la cardiologie qui ont défilé, c'était quand ? C'était il y a 2 ans. Ben voilà, c'était il y a 2 ans. Tu faisais sans cesse l'aller-retour entre Paris et l'hôpital de Pontecombo. Tu ne vivais pas bien, parce que les toubibs ne lui donnaient pas grande chance. Et puis moi, ça tombait très mal. Hein. J'avais toute une série de contrats avec les Allemands qui m'obligeaient de me déplacer souvent là-bas, à Berlin. Hein. Bon, bah ça y est, le problème est résolu. Ouais. Bon, tu nous la sers cette tarte, Nicole ? Le jardin est magnifique aussi. On ne voit pas très bien, mais il a l'air très grand. Oh, immense. Une petite Amazonie. Excusez-moi de revenir là-dessus, mais... Pourquoi prendre un passeport pour aller à Berlin ? Non mais c'est vrai parce que il y a 2 ans, c'était déjà l'Europe, Berlin. Oui. C'est vrai. Et c'est la raison, hein, la carte d'identité suffisait. Bon, mais écoutez, si j'ai demandé à Talia de passer me chercher mon passeport, c'est que je ne devais pas non plus avoir de carte d'identité, hein. L'Europe, ça veut pas dire qu'on n'a plus besoin de papier du tout, hein. Mm-hmm. Et puis c'est pas nouveau, hein. J'oublie tout, je perds tout, hein. J'ai toujours été comme ça. Hein, Nicole, je suis complètement bordélique, hein. Oui, pas nous. Oh, ça dépend des fois. Ben là, ça devait. Ah, et puis j'avais une bonne raison, ta mère est à l'agonie. Pardon d'intervenir, mais est-ce que ça a beaucoup d'importance ? Talia fait une remarque sur la maison, et on part dans un flashback de 2 ans. Forcément, les détails qui nous reviennent sont confus, parce que ça n'adapte pas d'hier. Et c'est un passé qui remet de tristes souvenirs, puisqu'il est quand même question de la maman de Nicole, qui est morte depuis. Qui est morte ? Ah oui ? Enfin, maman n'est pas morte, elle a été opérée du cœur, mais elle va très bien. Ah bon ? Tu es sûre ? Elle est en pleine forme, elle mange, elle va, elle vient, elle a fait tout ce qu'il y a à faire. Elle se porte même très bien, elle a téléphoné tout à l'heure. T'as encore perdu une bonne raison de te taire, toi. Tant pour moi. Excuse-moi, Nicole, tu étais déjà une vieille dame il y a 2 ans. Il y avait une maladie grave, et comme on n'en parlait plus beaucoup, ben, j'ai cru morte. Eh ben non, tu vois, elle va très bien. Je t'ai dit. Tant mieux, je suis ravi de l'apprendre. C'est même la bonne nouvelle de la soirée. Bon, alors, n'en rajoute pas une couche, hein. Bon, Nicole, ma chérie, continue de servir, s'il te plaît. Oui, parce que nous, en attendant, le temps passe, hein, et... Merci. Bon. On va pas tarder, il nous reste bien 3 quarts d'heure de route, nous, hein. Ah non, on se torcit beaucoup moins. Bon, on est bien. Mais tu sais bien que j'aime pas conduire la nuit. Ah tiens, au fait, tu as changé de voiture. Moi ? Ben, oui, le 4x4 monstrueux, tu as vu, quand je suis arrivée, je me suis dit ça, à tous les coups, ça doit être un vent. Ah non, c'est une bagnole, non, mais ça fait déjà 1 an et demi que je l'ai. Hein. C'est bien ce que je dis, tu l'as remplacée.
Avant, tu avais la vieille anglaise avec l'intérieur en cuir rouge. Nous avons trouvé un jaguar. Je suis même montée dedans. Il y avait des boutons partout. On aurait mis cockpit d'un Airbus. Et tu en étais super fière. Non, mais pas tant que ça, tu sais. C'est une occasion que j'avais eue par un copain magistrat à Lille. Une affaire de saisie, quoi. Je l'avais eue pour une bouchée de pain. Yvan, le roi de la combine. Non, mais c'est pas une combine du tout, hein. C'est tout à fait légal. Mais je sais, Yvan, je te taquine. Un avocat, c'est quelqu'un qui sait flirter avec les limites de la loi sans jamais vraiment la violer. Ah, bien vu. Non, je suis pas d'accord. Un avocat, c'est quelqu'un qui défend les hommes avec la loi. Mais arrête avec tes phrases, tes filandreux. Dites-moi, comment vous avez connu Yvan? C'est marrant, ça, il ne vous l'a pas dit. Brièvement. Très brièvement. En fait, il m'a défendu dans une affaire. Très bien, d'ailleurs. Très bien défendu. Oui, ça, j'en suis sûre. Mais vous, comment avez-vous eu l'idée de vous adresser à lui? En fait, on s'est connus grâce à sa voiture. Je suis tombée en panne sur une route complètement déserte. Moi, à l'époque, c'est pas une Jaguar que j'avais, mais une vieille poubelle qui me laissait tomber pour un oui ou pour un non. Alors, comme je ne m'y connais pas en mécanique, j'ai même pas ouvert le capot. Je me suis dit, je vais faire du stop. Et alors, à peine j'avais le pouce levé, que la première voiture qui est passée s'est arrêtée. Tu m'étonnes. C'était Yvan. Ah oui, c'était moi. Je roulais tranquillement. Il allait plaider à Orléans. Alors il m'a dit, venez me voir, c'est une audience publique. Moi j'ai dit oui, pourquoi pas. J'y suis allée, alors là. Je peux vous dire que j'ai pas été déçue. Hein, non. Il a humilié, écrasé son adversaire. Tous les gens dans la salle étaient morts de rire. Pourtant, le type qu'il défendait était une belle crapule. C'était pas une crapule du tout. Bah, arrête, Yvan. C'était un banquier plus ou moins escroc qui roulait de pauvres épargnants un peu crétins. Gagner en faisant... en défendant un type honnête, c'est bien. Alors faire relaxer une ordure, là, ça devient brillant. Grand avocat. Moi, je t'ai vu plaider. Tu es redoutable. Alors, c'est pas mon père pour rien. Hein. Oui, bon, ça, on sait qu'il est doué. Et alors, vous a laissé sa carte? Oui. Enfin, non. Pas mieux que ça. Il m'a carrément invité à dîner pour fêter sa victoire. À dîner? Le soir même. Le soir même? Dans le plus grand restaurant gastronomique d'Orléans. Oui, non, enfin, il n'y avait rien de gastronomique du tout, hein. Bon, d'accord, extérieurement, il était cossu. Mais c'était pas non plus... Oui, enfin, pour moi qui n'ai pas l'habitude, hein. Oui, alors? Alors? Tout quoi? Mais tout! Le vin à 150 euros la bouteille, le café, pousse café, mais attention, en tout bien, tout honneur. Ah bon? Mais oui, Mathilde, c'est comme un repas d'affaires, hein. Non, rassurez-vous, Mathilde, vous avez un mari qui est complètement clean. En tout cas, ce soir, grâce à vous, je le redécouvre. C'est très intéressant. Et c'est à ce fameux dîner que je lui ai raconté toute mon histoire avec Tonio. Tonio? Mais oui, Tonio, je t'ai raconté. Tonio, c'est mon ex-fiancé, celui qui me harcelait. Alors lui, il cumulait. Il était alcoolique, violent, obsédé, mythomane. Tout pour plaire. Mais excusez-moi, mais s'il était aussi épouvantable que ça, pourquoi c'était votre fiancé? Mais parce qu'au début, tout le monde vaut tout beau. Faut dire que la première fois que je l'ai rencontré, j'étais plus libre que lui. On parlait sans prononcer les consonnes. Normalement, si vous faites ça, personne ne vous comprend. Sauf si vous êtes bourré vous-même. Vous avez jamais essayé? Pas récemment, non. Pour communiquer comme ça. Oua. Et oua, il t'a oua. Oh oui. Oh, tu as plaisir. Alors, non, normalement, moi, j'ai fini par dessouler. Mais alors, lui, jamais complètement. Faut dire qu'il avait ce quelque chose... C'est quelque chose qui le rendait unique. Et moi qui me... Oui... Non, non, là, ça m'embête vraiment de vous répondre. On est entre nous. Non, enfin, Mathilde, si ça l'embarrasse... Oui, ce que je trouve, c'est pas une histoire gay. Et qu'on va pas s'attarder sur ce sujet. C'est limite gênant. Non, mais je suis sûre que Talia a très envie de nous la raconter. Enfin, vous ne voyez pas Non, moi j'ai bien ma petite idée, mais... C'est quoi ta petite idée? Je regarde pour moi. Bon, pour parler franchement, tant pis pour les oreilles chastes, Tonio baisait comme un dieu.
qu'il soit âgé ou complètement bourré, il avait le don de m'exploser. Ah d'accord. J'avais tapé juste. Sans rentrer dans les détails, je suis quelqu'un d'assez physique. Si je ne fais pas certaines choses régulièrement, je dépéris, je déprime, je m'étiole. Il y a des femmes seules qui s'en passent vraiment bien. Il y a des femmes dont les maris ne touchent plus. Moi, je ne peux pas. Je ne sais pas faire sans. Il me faut ma dose. Très bon, la tarte, Nicole. À tous les coups. C'est quoi le petit truc en plus qui parfume ? La cannelle. Ah, la cannelle, tu me disais aussi. C'est très bon la cannelle. Non ? Oui. Nicole, son truc à elle, c'est la pâtisserie. Et maintenant ? Maintenant quoi ? Maintenant, depuis ce fameux Tonio qui était surdoué. Vous avez un nouveau fiancé qui vous explose. Mathilde, ça commence à devenir pénible, c'est interrogatoire. On parle. Maintenant, oui, j'ai un nouveau fiancé. Ça ne me dérange pas du tout de vous répondre parce qu'ici, personne ne le connaît. Voilà, t'es rassurée ? Il s'appelle Steven. Steven. Steven, il est américain. Libanais. C'est un prénom libanais, ça, Steven. Bah, Steven Spielberg. Le problème, c'est qu'il jongle entre Paris et Beyrouth. En quoi c'est un problème ? Il est marié et il a 5 enfants. Ah, c'est lui, votre relation amoureuse très libre avec un homme qu'il est moi. C'est Steven. Mais et si sa femme habite Beyrouth, elle ne doit pas vous devez être tranquille. Et bien plus maintenant, parce qu'elle vient de s'installer à Paris avec ses enfants. Et elle est très méfiante. Mais apparemment, elle a des raisons de l'être. Ça oui, la pauvre. Il la trompe avec tout ce qui bouge. Même moi, il me trompe. Faut dire qu'il est très très chaud comme type. Ah ouais. Enfin, bon, moi, je m'en fous puisque je suis pas amoureuse. Non. Disons qu'il est assez doué pour ce que vous savez. Et moi, ça me suffit amplement. En plus, il est producteur de musique. Quel rapport ? Bah, c'est intéressant, ça, un producteur de musique. C'est intéressant et intéressé. Bon, puisque comme on en est aux révélations, je sais pas si on peut appeler ça une révélation, mais je chante. Ah bon, vous êtes chanteuse, non ? Non, je suis pas chanteuse. Je chantonne. Je suis pas la calasse, non plus. Mais Steven a fait composer un petit morceau. On va essayer de le sortir. Ça casse pas trois pattes un canard, mais bon. Disons que Steven dit que de nos jours, pour être chanteuse, il vaut mieux avoir un physique qu'une voix. Ah, ça, la télévision, ça, pour le physique, je vous le confirme. Vous l'avez. Mais alors, si je comprends bien, tu vas peut-être me quitter ? Pardon ? Comment ça, te quitter ? Bah, je veux dire, me donner ta démission. Ah non, non, mais attends, là, pour l'instant, rien n'est fait, on voit sur la maquette. Ça devrait sortir l'an prochain. En tout cas, tu cachais bien ton jeu, hein ? Je ne trouve pas. Il y a des tas de gens autour de moi qui savent que je chante. Mais pas moi. David le savait. David ? Tu es sûr que c'est à moi qu'on a parlé ? Non seulement je t'en ai parlé, mais je t'ai chanté un petit couplet dans ton cabinet. France Gall. Dans ton cabinet ? Ouais, mais il y a très très longtemps. Mais c'était quelle chanson ? Je sais plus. La Déclaration. Mais quelle bizarre. La Déclaration, c'est le titre de France Gall. Tu avais adoré. C'est très très vague. Mais si, rappelle-toi, c'est un jour où tu étais inquiet. Ton fils déprimait, il se renfermait et il ne parlait plus à personne. Alors moi, pour te remonter le moral, je t'ai chanté « Quand je suis seule et que je peux rêver, je rêve que je suis dans tes bras. Je rêve que je te fais voir. Une déclaration, ma déclaration. » Qui revient de la tarte ? Non, vraiment. Très bien. Non, mais vous ne voulez pas, vous voulez pas la refaire en entière, là. Ça se voit leur venir à la vie. Non, non, là, j'ose pas, je me sens ridicule. Parce qu'en dépit des apparences, je suis quelqu'un d'assez pudique. J'ai pas vu assez pour me lancer, hein. Et vous n'avez pas peur que votre producteur libanais vous fasse marcher là avec l'histoire de disques ? C'est quand même un peu pourri ce milieu-là. Oui, vous avez raison. C'est pour ça que j'ai préféré lui faire signer un contrat. Vous y connaissez ? Non, je suis complètement nulle, mais je l'ai fait rire par Ivan.
je connais un grand avocat, hein. Je ne vais pas m'en priver. Oui, enfin, j'ai à peine lu, hein. Survolé, un contrat standard. Oh, pas si standard que ça, hein. Tu as fait modifier un tas de trucs avant que je signe et tu as bien fait. Oui. Tu as rencontré ce producteur? Ah non, non, mais moi j'ai rencontré personne, je le connais pas, ce type, jamais vu, hein. Non. Yvon a préféré rester dans l'ombre. Oui, on a passé toute une soirée, en tête à tête dans son bureau, à tout éplucher. Il m'a montré ce qui n'allait pas, et moi je prenais des notes, comme une étudiante béate d'admiration devant son prof. Puis, je suis retournée avec le contrat et les motifs, et on a signé. Mais plus chaud, non? Ben, tu veux que je baisse? Tu veux que je baisse? Allez. Bon, qui en veut de cette tarte? Merci. Tiens, j'avais complètement oublié. J'ai apporté des chocolats, mais je les ai laissés dans la voiture. Ah, mais fallait pas! Vas-y, quand même, c'est la moindre des choses. Hein. Bon, enfin, non! D'ailleurs, personne n'a rien amené. Oui, ben, moi, c'est moi. Les autres, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Yvan? Sois gentil, s'il te plaît. Je suis garée juste derrière toi, la Clio blanche. Sois gentil. Vas-y, Yvan. Mais il ressemble à quoi, ces chocolats? Enfin, à quoi veux-tu qu'il ressemble? À une poêle à frire? Delia, je vous ai pas annoncé la bonne nouvelle. Je suis enceinte. Non, c'est pas vrai? Mais de qui? Oh, mais non, je plaisante, Nicole, je suis très contente. Bah, tu vois, t'y arrives. Non, parce qu'une fois au bureau, avec les autres, on se demandait ce qu'il attendait pour avoir un enfant. Et en fait, il pensait que le problème venait de lui. Ah bon? Mais il pensait vraiment? Oui, je sais plus, j'ai dû dire ça comme ça une occasion. Moi, je m'en souviens très bien parce qu'à l'époque aussi, je venais de tomber enceinte. Ah bon, vous avez un bébé? Non. Non, en fait, j'ai pas pu le garder, non. Et pourquoi? Il se présentait mal? On peut dire ça comme ça, oui. Disons que c'était pas un enfant souhaité. Un accident, si vous préférez. Le père, enfin non, il n'y a pas eu de père puisqu'il n'y a pas eu de naissance. Monsieur, qui a mis la petite graine dans mon ventre, ne pouvait pas assumer un enfant hors mariage. Et pourquoi il ne pouvait pas? Parce qu'il était déjà marié. Forcément. Qu'est-ce qu'il faut? Non, c'était bien avant Steven. C'était Tonio alors? Celui qui voulait la défigurer? Non, c'était après Tonio. Entre Tonio et Steven. Moi, je l'aurais bien gardé cet enfant, même si son père ne le reconnaissait pas. Triste ça. Mais... il l'aurait trop mal vécu. Et moi, je voulais pas voir cet homme malheureux parce que lui, contrairement à tous les autres, à Tonio, à Steven même, j'en étais vraiment amoureuse. Follement même. Mais lui, il m'aimait pas assez pour me faire un enfant. Y'a que mon cul qui l'intéressait. Ah bah ça, les hommes... En même temps, la nature m'a donné un corps harmonieux, je vais pas me plaindre. J'aurais jamais dû vous raconter tout ça. Bon, j'ai pas trouvé le chocolat. J'ai cherché partout, sur le tableau de bord, la boîte à gants, la banquette arrière, les tapis de sol, aucun chocolat. Je vous ai peut-être oublié à la maison. Bah, t'aurais pu y penser avant, parce qu'on gèle dehors. Qu'est-ce qui t'est arrivé, Yvan? Je t'ai dit que j'ai pas trouvé les chocolats. C'était elle? Elle. Elle? Dis quoi, elle, qui? Excusez-moi, je crois que je vais rentrer, je me sens pas très bien. Ah non, non, trop facile. Maintenant, on se parle clairement, on se dit les choses. Les allusions et les jeux de piste, ça va bien. Vous avez eu une histoire avec Yvan, oui ou merde? Oui, mais oui, qui? C'était lequel, bordel? Mais aucun des trois. Vous voyez pas qu'elle raconte n'importe quoi, hein? Qu'elle se joue de nous. Elle nous balade, ça l'amuse. Elle se fait inviter, puis se décommande. Puis elle vient quand même. Et puis elle commence à raconter sa vie en répandant des indices par-ci par-là. Résultat, tout le monde panique, alors que personne n'a rien à se reprocher. Fouteuse de merde. Mais pourquoi elle ferait ça? Pour se venger. Se venger de quoi? De qui? Si elle veut se venger, c'est forcément quelqu'un qui lui a fait du mal. Et il est forcément ici. Alors? Personne se dénonce? Bah non.
Apparemment, il n'y en a pas un seul qui a des couilles. Oh. Moi. Francky? Ouais. Non. Moi, toi? Si. Oui, ben, je vais pas vous faire un dessin, voilà, c'est moi. Vous cherchez un coupable, vous l'avez, c'est fait bien. Mais oui, c'est vrai. Enfin, presque. Mais comment presque? C'est oui ou c'est non, c'est pas presque. Comment ça s'est passé? Raconte. Mais je t'ai dit que c'est moi, à quoi ça sert? Mais ça sert, enfin. C'était quand tu étais auprès de ta mère. Quand j'étais seul à la maison, j'ai demandé à Talia de passer m'apporter un papier important à 8h du soir. Elle est venue sans se méfier, elle pensait que tu étais là. Je lui ai offert un café, enfin je lui ai raconté que tu étais au chevet de ta mère, qu'elle allait mourir, enfin j'avais pas trop le moral. Enfin je sais plus trop ce que je lui ai raconté, et je lui ai caressé les seins. Et après les seins? Bon, et après j'ai repoussé sa main, gentiment pour ne pas le froisser. Là, il a essayé de m'embrasser, je l'ai giflé, je me suis sauvée. Le lendemain matin, il m'a convoqué dans son bureau. J'ai cru qu'il allait me renvoyer, mais non, il était là, tout mignon, tout penaud. Il s'est excusé, il m'a dit qu'il regrettait. Il était sincère. Hein. Alors moi aussi, je me suis excusée pour la gifle. Et puis j'ai dit que ça resterait entre nous, qu'on n'en reparlerait plus jamais et on n'en a plus jamais reparlé. Jusqu'à ce soir, je suis vraiment désolée, Nicole. Ça me fait beaucoup de peine, ce que vous racontez. Puis alors, toi, tu doutes de rien. Pendant qu'on se faisait opérer du cœur, hein. Non mais vraiment... T'es un beau salaud, hein? C'est peut-être un salaud, c'est peut-être même un monstre, mais ça ne nous avance pas beaucoup, hein. Ça ne nous avance pas beaucoup? Non. C'est pas en lui tripotant les seins qu'il a pu la mettre enceinte. Ah bah ça va, hein, je suis encore comme en tombe enceinte. Mais il en avait envie, il aurait pu. Je te demande pardon. Pardon, bah c'est bien ça, c'est pas un mot magique, hein. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Aïe! Allez que ça sorte! Ça aurait pu sortir moins fort! Pardon. Je t'aime, moi. Bah vous partez, vous? Oui, bonne nuit, Nicole. Bonne nuit? Non mais vous rigolez, vous avez vu le chantier? Vous ne sortez pas d'ici tant qu'on ne saura pas la vérité. Mais enfin, vous allez quand même pas me taper dessus. Laisse partir, Mathilde. Maintenant, c'est bon, ça suffit. David? Oui, c'est moi. Maintenant, entrez chez elle, madame. Jardin. En plus, avec le froid qu'il fait, il va attraper la crève. Mais tant mieux.
Mais enfin, t'as pas le droit de dire ça. Et tout ça, c'est de ma faute en plus. J'aurais jamais dû inviter Talia. Parce que j'ai été gourde. Je suis vraiment la reine, moi, des fois. Bon, ils sont où, les hommes? Francky lave la vaisselle, Yvan l'essuie, et David est dans le jardin, il fume. Il y a une demi-heure, tout le monde était pressé de rentrer, et là... Ça va? Et toi? C'est pour toi que la question se pose. Merci. Le dîner a pris une tournure inattendue. Assez. Oui, on peut même dire que ça a complètement merdé, hein, si on appelle les choses par leur nom. Je sentais pas, moi, ce soir. C'est Yvan qui a insisté, moi je voulais pas venir ici. Mais pourquoi tu voulais pas venir, Mathilde? Pourquoi? Parce que ça m'emmerde. Une heure de route, ça m'emmerde. Faire semblant de m'essasier sur une cheminée ou un jardin, ça m'emmerde. Manger de la nourriture trop grasse, ça m'emmerde. De A à Z, ce genre de soirée m'emmerde, ça s'appelle une corvée. C'est une corvée de venir chez moi? Mais pas chez toi particulièrement, Nicole. Chez des gens dont on n'a rien à foutre, chez qui on vient par obligation, parce qu'il y a juste un lien familial, par exemple. Je comprends que des frères aient besoin de se voir, mais je vois pas pourquoi nous, les belles-sœurs, on nous prendrait en otage. Mais je t'arrête tout de suite, l'enfant. Moi, je me sens pas du tout prise en otage entre vous deux, voyons. Soyons sincères une minute, Nicole. Juste une petite minute de vérité dans cet océan de convention. On n'est pas vraiment amis, toutes les trois. Il y a pas d'affinité. Quand même, enfin. Bah, fais pas semblant de t'en apercevoir. On ne s'intéresse pas aux mêmes choses. J'ai horreur de la futilité. J'aime lire, apprendre, j'aime enseigner. Christelle aime s'habiller, sortir, rencontrer des gens de son milieu. Et puis toi, Nicole. Ah, au fait, toi, c'est quoi déjà? La bouffe? Ben oui, la cuisine, oui, pourquoi pas, j'assume. Et c'est pas parce que je travaille pas que je suis femme au foyer que ma vie est inintéressante, enfin. J'adore recevoir, c'est vrai. Oh, ben là, c'était réussi, hein. Oui, mais enfin, je me fais de quoi, moi, de vous recevoir à dîner puis de vous montrer la nouvelle maison. T'as essayé. Oui, avec tous les efforts que j'ai faits. Mais ce ne sont pas les efforts qui comptent, c'est le résultat. Ah bah oui, tu donnes des mains, mais ça tombe toujours à côté. Je sais bien, je suis la belle-sœur un peu tarte, hein. Vous, vous avez tout lu, tout vu. Moi, je m'extasie devant des petits riens. Vous, vous avez l'habitude de dîner chic avec des gens intéressants qui savent citer Marcel Proust ou Baudelaire. Moi, j'ai pas de conversation, je dis que des bêtises. De toute façon, même quand je dis quelque chose d'important, vous en fichez. Je l'ai bien vu tout à l'heure, hein, quand je vous annonçais que j'étais enceinte, vous êtes moqué de moi. Oh bah dis, c'est pas cette tête-là, Mathilde, toi t'as levé les yeux au ciel. Quant à toi, Christelle, t'es complètement blasée, là, depuis que tu nous as fait un gosse avec un cul de 64. Alors, 164. Ah, mais même 300, si tu veux. De toute façon, j'y connais rien, je m'en fous. Mais soyez sûr d'une chose, hein, c'est que quand mon bébé sera là, vous serez pas obligé de faire une heure de route pour venir le voir, hein, puisque de toute façon, personne ne le verra, etc., parce que tout le monde s'en fout, alors... Elle est pas mal, ça rentre une fois. Ouais. C'est Nicole qui a crié? Elle crie pas, elle pleure. Pourquoi? Oh, c'est un ensemble, c'est compliqué. Je me suis permise de lui dire certaines choses. Ah, il y était obligé? Obligé, non. Mais ça m'a fait du bien. Faut pas que la soirée a été assez chargée en émotions, tu pouvais pas en garder pour la prochaine fois? Quelle prochaine fois? Bon, en attendant, tu veux pas aller t'excuser? Mais de quoi? Moi, je vais la voir. Eh bien, je vois qu'il y a le genre de t'ennuyer. Tu dois être servi. Enfin, une soirée où il se passe quelque chose. Du bruit, de la fureur. J'en demandais pas tant. Oh, je m'en doute pas. De toi à moi, Yvan, avec cette Talia, là. T'as bien dû essayer une fois, non? Juste un peu, là. Par politesse. Non. C'était toi, le plus nerveux des trois, quand tu as su qu'elle était invitée. Oui, c'était moi. Et tu veux savoir pourquoi? Parce que cette fille, c'est une grande malade. Elle se complaît dans la douleur, elle a constamment besoin qu'on la plaigne. Oh, je m'en suis vite aperçu, hein, le jour de son procès. Je dis pas que le fameux Tonio, lui, était dans son droit, il est complètement taré. Mais en l'écoutant se défendre, j'ai compris comment elle avait pu le pousser à bout. Tu veux que je te dise, cette fille, c'est une malade, une malsaine, une grande manipulatrice. Elle ne prend du plaisir que dans le drame.
C'est une sadique, masochiste, perverse et déséquilibrée. Et c'est pour ça que tu l'as recommandé à ton frère qui l'embauche dans sa boîte. Il a qui ? Christelle. Oui ? Allô ? Ah, Théo, ne dis pas. C'est pas sa mère. Oh, Nicole s'est enfermée dans la salle de bain, elle refuse d'en sortir. Elle pleure toujours ? Non, j'entendais que se laver les dents. Théo, mais qu'est-ce que tu fais ? T'es pas encore couché ? Mais non, mon chéri, mais non, ne t'inquiète pas. Non, on passe une superbe soirée. Hein? Allez, tu te couches et tu ne nous attends pas. À qui tu téléphonais ? C'est Théo qui appelait, t'inquiète. Il a raison. Moi aussi à sa place, je m'inquiète pas. Aurore ? Une seconde, j'appelle ma mère. Pourquoi tu appelles ta mère à cette heure-ci ? Pour la prévenir. Tu seras gentil de me laisser chez elle en passant. Tu dors là-bas ? Veux-tu que je dorme avec toi dans le même lit ? Tu trouves indispensable de mettre ta mère au courant de nos petites affaires ? Mais ce ne sont pas de petites affaires, David. C'est une colossale saloperie que tu m'as infligée là, et publiquement en plus. Très bien. Je pensais que tu avais eu le temps de relativiser. Tu amplifies, d'accord ? Mais qu'est-ce que je raconte à Théo en rentrant ? Ce que tu vas dire à Théo en rentrant ? Mais tu lui diras que tu t'es envoyé une pétasse complètement nymphomane, hein ? Que tu l'as mise enceinte, mais qu'il n'aura pas de demi-frère ou de demi-sœur, parce qu'elle a avorté ! Tu crois que Théo va entendre ça ? Théo est un sourdoué, il faut déjà faire quelque chose ! Pétasse de plomb total. Maman, c'est Christelle. Ah, je te réveille. Non, mais c'était pour te dire que j'allais passer dormir chez toi ce soir. Oui, seul. Bah oui, sans David. Non, mais je te raconterai. Oui. Assez, oui. Non, maman, personne n'est malade. Personne n'est mort. C'est beaucoup plus grave que ça. Avant, sans donner une bonne raison à ta mère de me détester. Oh, sois au moins honnête une fois dans ta vie, David. Tu te fiches royalement de ce qu'elle pense de toi. C'est vrai. Hein? Et qu'elle apprenne que tu t'es envoyé en l'air avec une petite pute, hein? Ça va pas l'étonner plus que ça. Hein? Je pense même que ça va lui faire plaisir. C'est pas impossible. Bon, allez, si t'es prêt, on y va. Bon, tranquille, nous, on va y aller. Mais où est Nicole ? Mais écoute, elle s'est enfermée dans la salle de bain. Je ne sais pas si elle pleure ou si elle se brosse les dents. Mais en tout cas, je voudrais que tu la remercies pour nous. Parce que, alors, vraiment, son canard, sa tarte aux pommes était délicieuse. Et alors, surtout, tu la refélicites pour le bébé parce qu'on est passé un peu vite dessus, hein. Cœur, vraiment, merci pour cette soirée, c'était super. Tu te fous de ma gueule ? Non, à part quelques petits détails, mais tout peut pas être parfait, tu sais. Bon, bah tant mieux. Je suis content de constater que malgré quelques petits orages, tout est rentré dans l'ordre. Dans l'ordre ? Pas vraiment, en fait. Ah bon, pourquoi ? Je crois que Christelle a besoin de prendre un peu de recul. Quel genre de recul ? Écoute, tu téléphoneras à ton frère, demain, te fera un petit topo. Bon, allez, où est mon foulard ? Vous n'avez tout de même pas divorcé. Bon, Yvan, la chose est assez grave, je veux me prendre un peu de recul. Mais Christelle, moi je t'aime comme ma propre sœur. Tu devrais prendre exemple sur Nicole. Tu sais ce qu'on dit, faut t'avouer, t'as moitié pardonné. Oui, mais ce genre de slogan tombe totalement imbécile, merci. Une faute reste une faute. Bon, il est où mon foulard ? J'en sais rien. Mais cherche-le ! Mais tu l'as mis où ? Et si je te demande de le chercher, c'est que je ne sais plus. Bouge, cherche. Christelle... Tu enlèves ta main de là, Mathilde. Mais pourquoi tu me parles comme ça ? On suis de ton côté. Tu n'es pas de mon côté, tu ne l'as jamais été. D'ailleurs, je te soupçonne même secrètement d'être ravie de ce qui m'arrive. Hein. Ah, il n'y a qu'à voir ta figure, cet air faussement compatissant que tu prends là depuis tout à l'heure. Ma Christelle avec ses vêtements hors de prix, son appart, ses appartements haut de gamme, son fils qui sera le prochain Einstein, elle se fait coquifier par son obsédé de mari. C'est bien pour ta gueule, hein. Avoue que ça te ravit. Mais tu es complètement égarée par la douleur, ma pauvre fille. Je ne suis pas ta pauvre fille. Si tu veux vraiment le savoir, je ne suis ni ravie ni compatissante, je m'en fous. Tu t'en fous ? Eh bien, moi, je t'emmerde. Mais très bien, toi. Toi, tu vas baiser tes poufs et tu me laisses. Eh ben voilà la vraie Christelle. L'élégance, la classe. Le vernis craque et qu'est-ce qu'on trouve derrière ? Une marchande de poissons. Qu'est-ce que tu racontes des marchandes de poissons ? Bon, j'en ai assez vu, là. Mais merde, il est où ce putain de foulard ? Ton Hermès à 6 000 euros seulement ? Comme quoi l'argent ne protège pas tout ? Ça n'a pas
aller voir ailleurs. Bon, s'il te plaît, Mathilde, non, venez me voir. Non, mais qu'est-ce que tu crois, là? Ton avocat, il vaut mieux que mon dentiste. Mais tu débarques, ma pauvre fille. Fourre-toi bien dans le crâne. Que si c'est pas par cette petite salope de Talia, c'est forcément par une autre qui se fait sucer. Oh, ouais, ça va, hein? Je te perds pas, Christelle, hein? Bah, elle a peut-être un peu trop bu, hein? Non, j'ai pas bu, le truc de ton pinard, c'est de la piquette, pauvre tâche. Oh, mais merci, hein, un Saint-Nicolas de Bourgueil. Et pourquoi crois-tu qu'il va plaider aussi souvent en province? Pourquoi pointer tous les soirs à la maison? Et pourquoi crois-tu qu'il t'a jamais fait d'enfant? Ben, c'est parce que la distance sera moins lourde le jour où il devra divorcer. Il sait de quoi il parle, il est avocat. Mais non. Tu vois bien qu'elle raconte n'importe quoi. Elle n'est pas dans son état normal. Elle a besoin d'une petite piqûre, hein. Tu es vraiment blanc comme neige, Yvan. De quoi tu parles? Tu sais très bien de quoi je parle. Ah, d'accord. Ok. Alors, ça y est, on tire la cage du coffre. Bon, allez bien, Mathilde, on s'en va. J'en ai assez entendu pour ce soir. Ah non, pas si vite. Elle allait dire quelque chose d'intéressant. Mais non, elle délire. Je délire? Moi, je délire? Tu veux savoir quelle petite dinde il s'est tapé? Tu veux un nom, Mathilde? Un nom? Christelle, cela ne me regarde pas. Toi, tu cherches mon foulard. Quel nom? Un nom. Like. Et puis il y a longtemps. Oui, c'est vrai, il y a longtemps. Tu t'es marié, je dirais même jeune marié. Oui, ben c'est bien ce que je dis, ça fait un bail que je suis marié, hein, il y a longtemps. Mais alors tu reconnais? Je reconnais, mais je reconnais rien du tout, enfin. Mais tu vas pas te laisser intoxiquer, pareil. Tu vois bien qu'elle ne supporte pas d'être toute seule dans son malheur. Faut qu'elle entraîne tout le monde. C'est un réflexe classique. C'était qui? Qui? Je dis, il y a longtemps, il y a prescription. Mais il n'y a pas de prescription. Joue pas l'avocat avec moi, c'était qui? Et qui? Est-ce que tu crois que je me souviens de tous les détails de ma vie? Mais c'est que j'en ai fait des choses dans mon existence. Oh, ça, je viens de croire, hein. Mais je peux te donner quelques petits indices. Hein, à l'époque, elle faisait beaucoup de petits boulots. Elle était très jeune, très naïve, très gauche. Elle est restée, tu vas me dire. Yvan, c'est qui? Non. C'est pas vrai? Ça commence à m'intéresser, là. Mais tu as couché avec ma femme? Mais je vais te casser la gueule, espèce de salopard, moi. Francky, c'est ton frère. Enfin, Francky, mais arrête, vous allez pas vous bagarrer comme des voyous. On se connaissait pas, on n'était pas mariés. Tu t'es tiré cette tourte. Oh, une fois. J'avais pris dans mon cabinet pendant un été durant, comme stagiaire. Bon, on avait travaillé toute la journée. Dur, on était fatigué, on avait besoin de se détendre un peu, alors plutôt que de prendre un petit whisky. Eh bien, j'aurais préféré que tu te bourres la gueule. Mais enfin, ce qui compte, c'est surtout c'est le caractère d'invalidité de la chose. C'est accidentel. Et puis surtout, je t'ai pas forcé, hein, Nicole, mais dis-leur que je t'ai pas forcé. Non, tu m'as pas forcé, mais enfin, on se connaissait à peine et tu t'étais bien gardé de me dire que t'étais marié. Oui, bon, c'est un petit détail qui est parvenu dans la conversation, mais bon. Mais quand Francky est arrivé après dans les bureaux, c'était déjà terminé. Alors bon, je récapitule. Une fois! Ça s'appelle comment, une fois, Francky? Bah, d'où je sais, moi. Mais Mathilde, une fois, c'est quoi? Aucune idée. Ah, une fois, moi, j'appelle ça un accident. Excuse-moi, Yvan, je ne voudrais pas avoir l'air d'insister, d'en rajouter, mais c'était exactement deux fois. Oui, ben, deux accidents. De ma parole, sous des airs de gourdin, c'était vraiment une salope. Hé, mais non, tu retires ce mot tout de suite? Tu croyais quoi quand tu m'as rencontré que j'avais pas eu d'autre amoureux avant toi? Mais tu rêves ou quoi? Et quand on s'est mariés, tu croyais avoir épousé Thérèse de Nazareth? Non mais oh! De quoi? Et je suis comme tout le monde, moi j'ai des petits désirs, hein, des montées d'adrénaline ou d'hormones, enfin je sais pas comment on appelle ça! Bon bah alors on est quitte, hein! Ah, on n'est pas quitte, gros dégoûtant! Moi quand j'ai eu ma petite affaire avec Yvan, on n'était pas mariés, on se connaissait pas! Hein, alors que toi, t'es allé faire tes saletés dans mon dos pendant que maman était mourante, et sous notre toit en plus! Bah, tu voulais peut-être que je l'habite dans un hôtel tout pourri comme n'importe quelle pute? Oh, j'ai envie de vomir! Ah, Mathilde! Oh, pousse-toi là, sinon je vais te vomir dessus!
Il y a le canard qui a pas dit son dernier mot, là. Il est en train de remonter lentement sur le flanc. Enfin, Mathieu, reprends-toi. J'étais jeune, ton mari était jeune. Ça s'est passé comme je te dis, je te le jure. C'est la tête de l'enfant que je porte. La tête de l'enfant que tu portes, il n'y a pas encore de tête, ton enfant. Bon, toi, tu te mets dessus, te regardes. C'est une discussion qu'on n'aurait jamais dû avoir lieu aujourd'hui. Ouais, je te le fais pas dire. Tu remets toute cette merde. T'es sûr? Comment tu l'as su, toi, là? Bah tu sais, avec Nicole c'est facile, elle a jamais su tenir sa langue, hein. Alors la moindre chose qui peut la rendre intéressante... Je t'avais fait promesse. Eh bien, pour que ça te serve de leçon. Et quelle leçon? La leçon, c'est qu'il faut faire confiance à personne, on en a tous ici l'exemple ce soir. Eh bah si c'est ça ta philosophie de la vie, ma pauvre Christelle, je te plains, tu vas être bien malheureuse, hein. Allô maman, c'est moi? Non, pas très bien. Est-ce que je peux venir dormir chez toi ce soir? Oui, seule, sans Yvan. Je t'expliquerai quand je serai là. Ah non, Mathilde! Mais si. Fais ça, va chez ta mère. Va réfléchir. Mais non, j'y vais pas pour réfléchir. C'est tout réfléchi. Mais Mathilde, tu vas pas quitter Yvan? Je fais ce que je veux. Nicole, tu peux me prêter ta voiture? Oh, bah, Mathilde! Mais tu me dois bien ça, non? Tu ne crois pas? Ma mère habite Boulogne, tu viendras la récupérer demain matin. Ah non, mais ça m'arrange pas. Demain matin, on doit livrer les nouveaux rideaux du salon. Nicole, j'insiste. Ta mère habite Boulogne? Oui. La mienne habite Porte de Saint-Cloud. Tu pourras peut-être me laisser en passant, c'est sur ton chemin. D'accord. Bon, ben je suis prête. Ça vient, c'est clé, Nicole. Non, mais vous êtes sûres toutes les deux? Sûres? Sûres et certaines. Bon, ben, je vous laisse pas la voiture, hein. Je vous accompagne, je préfère. Mais Nicole? Ça va te faire coucher tard. Oh bah de toute façon, vu la soirée qu'on vient de passer, je risque pas de dormir, alors autant que je me rende utile. Mais tu vas pas faire l'aller à retour à cette heure-ci. Eh ben si je suis fatiguée, je fais de l'aller. Ça veut dire quoi, ça, je fais de l'aller? Bon, on y va. T'inquiète pas, ça va lui passer. Ouais. Ouais, une bonne petite crise de temps en temps, ça fait du bien. Ça remet les compteurs à zéro. Je suis pas sûr qu'il reparte mon compteur, moi. Tu verras, elle fait rigoler pendant 48 heures, et puis dans 8 jours, elle reviendra en te disant que c'est à cause de Théo. Et puis dans un mois, elle ne t'en parlera plus, elle n'aura pas oublié. Tu crois? C'est statistiquement comme ça que ça se passe. Et pour toi? Pour moi, on sera la même chose. Quelques variantes près. Je ne sais pas pour vous, mais tout d'un coup, je me sens toujours bizarre. Un peu plus étendu? Ouais, moi aussi. C'est marrant, ça. Ah ouais. Oh putain, ce qu'on est bien. Bon, il est pas si tard que ça. Hein. Oh, mais je suis con. Ouais. J'ai un client qui est revenu de Cuba, il m'a rapporté une boîte de Havane. Ah! Dis, j'ai remarqué, t'avais ramené ta petite fiole là. Mmh. Comme une des verres. Une petite fine. Ah, ah. Oh, elle a rien perdu celle-là. T'en sers? Ah, bien sûr. Tiens. Allez, Jen. Allez. Oh, punaise. Elle a rien perdu. C'est-à-dire.